Ah, bon, vous voulez faire un petit tour alors? Ah, oui, on va l'essayer ça. Ah, au fait, je pourrais faire un tour avec ta voiture après? Écoute, ça m'embête un peu. Moi aussi. La voiture est toute neuve, ton permis est tout neuf. Peut-être au retour, on voit ça, hein, d'accord? Ouais, d'accord, ça marche. Ok. Où est-ce qu'on va, Pierrot? Où tu veux, cher Jacques? Bon, bah, allez, on démarre. Allez. C'est bon. Pour une voiture neuve, hein? Ouais, c'est clair. Elle est pas encore roulée. Pas fort, hein? Non. Allez, on roule. Mais elle est silencieuse, hein? C'est une hybride? C'est... Ah, ok. Elle est électrique, là. Oui. Tiens, au fait, on va où? On roule. Tout droit. On roule tout droit. On roule, on roule tout droit et on a un creux, mais magistral. Et attention, tu te déportes, on a la route de regarder papy, là. Oh, et attention, on va se prendre la voiture. Non, ça va. Ça va, non. Mais c'est... Mais regarde la route. Ne t'inquiète pas, je regarde la route. Ben, la Ça fait 50 ans que je cours. Maman, putain, c'est moi j'ai peur là. Franchement, vous me faites peur. Regarde la route. Voilà. Ça fait 50 ans que je conduis et j'ai jamais eu d'ennui. Ouais, enfin, ne jamais dire jamais, hein, parce que franchement, avec cette allure-là, on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a en allure exactement? Bah, tu sais, tu roules quand même, hein, tant que je regarde, à 20 km/h en dessous des limitations autorisées. Ouais, donc oui, tu vois, j'aimerais quand même arriver avant la nuit, quoi. Oui, mais Roxane, c'est un peu embêtante, hein. Écoute, Jacques, il roule prudemment, regarde, prends le son, là, hein, il roule bien. Hein? Oui, super. Et maintenant, écoute, pour détendre un peu l'atmosphère dans cette voiture, parce que elle a beau être électrique, hein, l'ambiance aussi l'est, on pourrait faire un peu de musique. D'accord. Et je sais que tu as un super CD de Egerland. Eh, encore cette musique de Oum Papa? Où est-ce que tu choisis? Encore cette musique de Oum Papa? Mais Oum Papa, Nix Oum Papa, t'as un aigre musique, boum, 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 tu crois que c'est mieux, c'est beaucoup mieux, mélodieux la nôtre. Hé, attention, on va se prendre la voiture, la route, tu te déportes. Mais regarde, la route. Pierre, où j'ai tout ce CD? Je vais chercher dans la portière. Mais arrête de chercher dans la portière, là. Regarde la route, on va se prendre la voiture. Non, mais ça va. Jackson, là, derrière. C'est à ceux qui sont derrière de faire attention. T'as raison. N'importe quoi. Eh, mais quand vous n'arrivez pas à faire deux choses en même temps, faut pas rouler, hein. Pierrot et moi, on arrive parfaitement à faire deux choses en même temps. Ah oui, c'est clair. Oui. Et même si on est un peu âgé. Ah bah punaise, la preuve avec un coup de klaxon, hein, parce que là, franchement, waouh. Ouais. Oui, regarde. Et l'Anderschleta, il n'a pas vu mon clignotant, ça Mais oui, pourtant, ils sont visibles, hein, ça, voilà. Ouais, enfin, vieux con, en attendant, tu coupes le sens giratoire, ta distance de sécurité, elle laisse un petit peu à désirer. Enfin, voilà, quoi, et en plus, ton angle mort, faut faire attention avec la voiture dans l'angle mort. Un vrai code de la route en plein CD. Aïe, pénible, comme tout. Bon, écoute, maintenant, Jacques, faut que tu t'arrêtes, c'est à moi de rouler. Oui, pardon. Tu me l'as promis. Bah, écoute, ouais, mais doucement, hein. Sois prudente, hein. Oui, Jacques, promis. Ouais. Moi, je me mets derrière si elle roule, hein. D'accord. Allez. Mets-toi là. Tu fais pas de mètres, ça. Mets-toi. Oui, je fais attention, promis. Tu sais la place de qui, c'est ça. Ah, merci. Cool. Bon, ben, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, hein, ta nouvelle voiture, là. Allez, c'est parti. Elle est plus électrique du tout. Trop bien. Plus électrique, elle est chouette, hein. Elle a trouvé le moteur. Non, mais écoute, doucement. Regarde comment tu roules doucement. Ouais, fais attention, regarde la visière de sécurité et la distance, tout le monde est bon. Ça va pas comme ça. Mais roule donc moins vite, attends. Non, mais t'es pressé pour aller où là? Et vous commencez à être pénible tous les deux, hein.
Et ça suffit maintenant, hein. Si vous continuez à me saouler, là, je vous arrête à la prochaine station essence. Mamma mia, mais attends, je veux revoir ma Huguette. Papy, c'est bon, tu vas la revoir, mamie, hein. Et puis, si ça continue comme ça, de me stresser, là, ça va pas aller, hein. Moi, je vous dépose à la prochaine station essence. Et tu vois pas comment tu viens de dépasser ce camion? Quoi? Tu l'as carrément rasé. Mais n'importe quoi. Tu veux nous faire tailler un short ou quoi? Mais n'importe quoi. Et je roule complètement normalement là. Bon, et je comprends mamie pourquoi ça veut plus rouler avec toi, papy. Hein, parce que franchement, t'es pénible. Hein. Et puis Jacques, c'est pas mieux. Hein. Vous faites la paire d'ailleurs, vous deux. Hein. Et Maïdella, tu commences à ressembler de plus en plus à ta grand-mère, je trouve. Je sais de qui je tiens. Et quoi? Ah bah tiens, en parlant du loup, non, voilà, mamie. Attends. Allô, mamie, ça va? Mais tu prends le téléphone et tu conduis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais tu sais que c'est hyper dangereux, et en plus de ça, si un flic te voit, ton permis, il s'envole, hein? Oui. Bon, écoute, mamie, je te file papy, il commence à être pénible, celui-là. Hein. Et puis maintenant, je te comprends pourquoi tu veux plus rouler avec lui. Hein. Et tu sais, Jacques et lui, ils font bien la paire, ces deux-là. Bon, salut! Oui, donne-moi ce téléphone, parce que maintenant, ouais, ça suffit. Hein. Allô, Huguette? Allô, Pierrot? Alors, comment ça se passe, la virée? Roxane m'a dit que vous étiez pénible. Vous connaissant, ça ne m'étonne pas. Ben oui, mais écoute, elle roule beaucoup trop vite, Roxane. Écoute, c'est horrible, hein. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, hein, qu'aujourd'hui, hein. C'est vraiment pénible, hein. Oh là là, papy, je trouve que t'exagères un peu, hein. Ben non, il exagère pas du tout. Moi aussi, j'ai eu peur. Ben, voilà. Eh bien, moi, j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir ça. Toi, qui fais tellement d'éloges sur Roxane, sur sa future conduite, elle conduira mieux que Huguette. Ou alors, ça pourra pas être pire, Huguette. Et maintenant, tu as peur? Non, mais c'est une blague. Et Pierrot, ah, mais là, tu me fais rigoler. Hein. Non, mais déjà, ma chère Huguette, j'ai jamais dit ça. Et ouf, et oh là là, on va sortir de l'autoroute, heureusement. Et ça va aller un petit peu plus doucement. Il y a là-devant une manifestation de paysans contre le prix bas du cochon. Et on sera bloqué, et tant mieux. Hein. Oh, oui. Voilà. Allez, Huguette, je te laisse maintenant à Schmutz, hein. Salut. Ben bon courage à tous les trois, hein, Grégory Loustic, là, gros Schmutz. Bon, je vais arrêter la voiture. Eh, je ne conduirai plus jamais avec vous, quoi. Vous étiez pénible, quoi, mais un truc de fou. Jacques, toi, t'as eu limite, mais le cortège, les klaxons. Quelques klaxons. Bah oui, bah moi, j'en ai pas eu, hein. Et puis toi, papy, franchement, moi, je compte pas faire comme toi. Parce que il me semble que t'as eu une dernière contravention avec 3 points en moins. Hein. Moi, je compte pas faire pareil. Hein. Tu ressens de plus, je l'ai déjà dit. C'est ta grand-mère, elle est pareille comme toi. Ouais, c'est pas vrai. Merci. Allez, donne-moi les clés. Bon, hop, allez. Allez, maintenant on va voir si tout le monde est là et on va boire l'apéro. Voilà, c'est mieux. On va se remettre de nos émotions. Ouais.